Je ne suis qu'une résonance de l'Afrique. Et les mots sont l'essence de l'art que je pratique. Ils ne sont qu'effluvés, émanation de mes émotions, expression de ma fougue, ma liberté. Une passion pour les lettres, mais beaucoup plus pour les rimes. Ce dimanche 14 novembre, nous retrouvons cette amoureuse des mots et de l'élégance langagière pour laquelle je clame chacun d'eux comme le plus cher de mes vœux. Au début de sa jeune carrière d'artiste, Amila Slameuse, de son vrai nom Aminata Miliane Bamba, a déjà les rêves plein la tête. Elle qui se fait appeler l'Amazone des mots en Côte d'Ivoire. Les mots, soigner les mots. Comme je le dis toujours, je suis une sorte de prêtresse qui essaie d'exorciser le monde de ses mots et maïs avec des mots MOTS. Déjà connue à l'extérieur, Ami entend bien faire connaître le slam, sa discipline, à son pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne connaît pas tant que ça. Je suis, comme je dis, en développement. Mais j'ai quand même une ancienneté dans le métier qui fait que je voyage énormément. Voilà. Donc c'est comme si j'étais connue plus dans d'autres pays par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc j'ai fait plein de pays en Afrique. Je suis aussi allée... En Europe, j'ai participé à des festivals aux États-Unis, au Canada. Si le slam est connu, naturellement ma carrière va avoir aussi un impact positif. Et les choses sont en bonne voie avec cette première nomination au prix international de la musique urbaine et du coupé décalé, prix MUD. Ami est prête pour tenter de décrocher une distinction à l'événement. Le palais des congrès de l'Hôtel Ivoire à présent, où se déroule la cérémonie. La salle est archi-comble. Artistes, musiciens, producteurs et influenceurs ont pris place pour célébrer l'art et la musique ivoirienne. Mais les vers langoureux d'Ami vont-ils toucher le cœur du jury? L'artiste reste confiante. La cérémonie se termine. Le prix MUD d'or est connu. L'artiste de l'année est Kéronfer. Mais pas de prix pour Ami. L'objectif est tout de même atteint. Le slam s'est enfin installé dans la célébration de l'art en Côte d'Ivoire. Bravo à tous ceux qui ont reçu un prix, qui ont été vainqueurs dans leur catégorie. Bravo à tous les artistes, parce que ce sont tous les artistes de Côte d'Ivoire qui font la culture ivoirienne. Donc nous aussi, on part gagnant, parce que même si on n'a pas eu un prix physique, le fait que le slam ait accédé à ce stade-là, à ce niveau d'exposition, c'est déjà une grande victoire. Et voilà, on n'est pas dessus, quoi. Et comme je dis toujours, je suis sur la route des Grammy Awards. Voilà. Ce n'est donc que le début d'une longue et belle aventure. L'Amazone des mots donne déjà rendez-vous à ses nombreux fans sur scène, le seul endroit où le verbe exprime l'état de son âme.